Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de misspièce.com. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment changer le boîtier de votre centrale vapeur Calor. Pour cette opération, vous aurez besoin uniquement d'un tournevis Torx de 20. Le boîtier se compose de deux éléments, le réservoir et le fond. Si vous faites ce changement à cause d'une fuite du réservoir, ne changez que celui-ci et gardez le fond d'origine car il possède une sérigraphie permettant d'identifier votre appareil. Commencez par retourner la centrale vapeur et enlever les 5 vis Torx de 20 qui maintiennent le fond. Présentez le nouveau réservoir à côté de l'ancien et retirez le bouchon anti-calcaire. Faites attention en retirant la chaudière, car sur le côté gauche se trouve la sonde qui est très fragile. Le transfert se fait en une seule fois car toutes les pièces sont solidaires entre elles. Replacez la chaudière en premier dans le nouveau boîtier, toujours en faisant attention à la sonde. Ensuite, la pompe et enfin la carte électronique et le guide de la gaine. Repassez les différents fils dans leur guide respectif pour ne pas les pincer au remontage. Pour finir, remettre le fond avec les 5 vis, le bouchon anti-calcaire, et voici, vous avez changé votre boîtier de centrale vapeur Calor. Vous pouvez retrouver toutes les pièces nécessaires sur notre site internet. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur misspièce.com.